Salut mes petites personnes, on retrouve donc pour la suite des leçons de baseball. J'ai même pas sauvegardé entre les deux épisodes parce que... Osef. C'est vrai que j'aimerais bien apprendre une technique supérieure à lui quand même. Allez hop. Là, je leur mets des trucs à apprendre, mais je m'en fous tellement royal en fait. Je m'en fous tellement royal de ce qu'ils peuvent apprendre, il n'y a rien d'intéressant là. Ben, comme là, je veux une technique absolument comme je faisais au tout début quand je voulais les tacles. Ouh. Équipe que je déteste affronter. Beaucoup trop de rapidité. J'ouvre toujours le bal avec Datto, je sais pas pourquoi, c'est une habitude, c'est Datto qui ouvre le bal. Ils ont une bonne vitesse, mais niveau trop stat, c'est un peu pourri. Regardez, c'est un arrière avec 10 attaques. Hein. J'ai honte de voir ça. Voilà. À une demi-minute. Encore, les secondes, là, elles font 2 secondes dans le jeu, ça vaut une vraie seconde IRL, là, le temps qui s'écoule. Regarde, les mecs, ils ont même pas de PH. Je récupère à nouveau la balle, et vous, j'ai remarqué un autre but avec Datto, là. Ils sont sérieux? Les mecs, ils ont même pas de PH, quoi. Même Datto peut leur voler la balle directe, c'est pour dire. C'est une honte. Vous avez peut-être de la vitesse, mais vous n'avez pas de stats, quoi. Ah si, vous avez de la passe. Ouais, j'avoue, vous avez la vitesse et la passe, mais bon, la passe permet pas de gagner, hein. C'est parce que j'ai assimilé, je m'en bats les couilles. J'ai juste mis des trucs assimilation pour avoir des trucs à apprendre pour le LOL. Regarde même pas si je vais les apprendre. Ah, pas le choix. Hein. Idus. Tiens, elle est pour toi celle-là. Aïe. Allez, balle gratuite pour Tidus. Ah, même pas. Ah non, il est pas con. Hein. Il est pas con, il cherche pas l'affrontement. Ah, lui, il a une bonne stat, va t'en tirer. Je suis surpris d'avoir réussi à l'atteindre. Obligé d'être trop loin. Je me concentre pas sur la technique avec le tir de volée, les tirs de volée c'est tellement rare comme action pour pouvoir le faire.
Ah, il va peut-être vouloir m'affronter là. Ouais. Je sais même pas ce que j'apprends. Je veux juste le truc à chimisation, j'appuie par réflexe. Je sais même pas ce que j'apprends. J'apprends juste parce que le jeu m'offre la possibilité. Ah, dis du paquet, ta technique. Attaque, ouais, PH, tir, cool. HP. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre, Titus, hein? Petit carnage? Ouais, quoi que l'anti-carnage, comme truc intéressant. On serait juste lui dire pourquoi tu vois des mecs avec monstres super go alors qu'ils sont pas goals, mais bon. Je sais que c'est des récompenses que t'as en faisant des tournois, mais quand même. Ça leur sert à quoi? Les activer, ce genre de technique. Le TikTok n'a que 40% de chance de s'activer. Hein. Normal que je voyais pas chaque fois. Et ce qui tag prime, c'est 70% de chance. Et il n'y a pas de déprime, je veux dire, et il n'y a pas avec 3 guillemets. Tiens, j'ai l'impression de déjà vu là. Bizarrement. Ah, j'ai mis sur l'esquive-tacle, hein. Allez, deux buts en moins d'une minute. On en parle? Ah, la balle est volée à coup sûr. Bon, déjà, on va tirer les autres mecs pour laisser Titus en paix. T'es fait exprès. Rien, même on entend le chiffre. Ouais.
Boum. Spiel. Ah mais j'ai encore atteint le 2 chiffres. Puis maintenant, vu que mes personnages ont largement un niveau supérieur à tous les adversaires, c'est que je suis sûr d'apprendre à 100% une technique. Il n'y aura plus de ratage d'optimisation. Il y a un truc que je pourrais jamais faire, c'est leur piquer la balle sur une passe. C'est un truc que tu pourras jamais faire. Les personnages n'ont pas assez de lignes. Botta, merci. J'ai bien cru qu'un jour, bon. Oh non. Bah, je peux pas l'envoyer à Tidus s'il s'est fait empoisonner, donc il peut pas faire ses techniques. Pas le choix de déborder. Là, ils vont peut-être me marquer un but, hein. Il est empoisonné, donc je cherche même pas. Non mais tu crois faire quoi, mec? T'as 10 attaques. Même avec le plus ou moins 50%, t'atteins le 15, j'ai 23, mec. Ouais, bah on va espérer que ce qui va se déclencher. Hein. Et eh bah ben voilà, mes deux attaquants peuvent plus rien faire. Ah bah là, Tidus a récupéré. Oh, vous étiez de faire chier à faire des passes là en fin de truc là. C'est censé être pas technique. Tu leur dis si mais. Ah, Dato peut appliquer 4 techniques. Ça c'est intéressant. Ouais, il a tout gagné. Letty il a gagné quoi? Bon, genre bien aimé qui gagne en attaque. Puis il a gagné en attaque. Puis il a gagné en attaque, c'est cool. Les arrières ont gagné en attaque, c'est tout ce qui importe. Tour 4. 1, 2, 3. 4. Attends, mais c'est que mon... 4ème match? Bien sûr, j'ai renouvelé son contrat. Très court, j'aurais plus de gardien. Ah, il coûte un peu plus cher. De mettre le tir brillé. Ah, il peut rien apprendre, Tidus. Ah, c'est chiant. Oui, tu peux apprendre l'esquive tag, ça ne sert à rien, mais. Rota qui peut toujours rien apprendre, hein. Tu peux rien apprendre. J'ai l'équipe à prendre l'esquive tacle prix.
Ah oui, c'est bien le gardien que j'aime pas. Tu mets Lumic en tant que gardien. Alors niveau meilleur gardien, Lumic, je vois pas qui peut être meilleur. Le mec il a 21 d'arrêt, bon sauf que le mec il a pas bougé d'arrêt depuis le début quasiment. Ah si, au début il était à 19. Il a gagné 2 points d'arrêt depuis le début. Je vais prendre Lumic comme gardien. On va voir Datto ce que tu peux faire avec le tir vrier en plus. Le tir vrier était important pour Datto. Ah, esquive-tac. Esquive-tac. Mec, esquive-tac. Le tir vrier est très utile contre lui par contre. J'ai bien fait du mettre. Ça augmente mes chances de marquer. Bon, maintenant, normalement, il devrait plus me poser de problème, ce goal. Tidus, il marque comme il veut, et Datto, bah, il a beaucoup plus de chance maintenant qu'il a tir vrillé. Heureusement que je l'ai appris juste avant. Des fois, les coïncidences, ça fait bien les choses. Allez, passe, PH, RIP. Oh, bah, je te vole la balle, hein. Mais je préfère privilégier Tidus sur ce coup. Hein. Datto, il y a quand même une petite chance que ça rentre. Pas. Pas de forcing. Tir. Jet shot. C'est quand même bien utile le jet shot. Hein. Imaginez-vous si Lumic pouvait apprendre Super Goal. Imaginez-vous. L'équipe que je redoutais, maintenant j'ai plus besoin de la redouter. J'ai gagné assez de tirs avec mes attaquants. Bon bah, tu dis ça à la balle, hein. Quitte à faire, hein. Les mecs peuvent rien faire, ils peuvent même pas me placer un tacle. Tu peux rien faire. Ah bah si un de mes attaquants est là-bas, je vais pas même bien passer à l'autre attaquant, il marque, point barre. Bon cette fois-ci j'affilerai à Datto. Ah. J'ai plus testé qu'un esquive tacle se déclenche. Esquive tacle. Yes. Oh, culé. Le mec esquive tacle. Le mec qui frise sur esquive tacle. Ah! Bon bah ça rentre, hein. Ah oui! Là! Faut m'excuser, mais au bout d'un moment, c'est obligé que ça rentre, il y a des fois. Au bout d'un bon moment, on peut pas empêcher l'inévitable, hein.
Le mec qui se pointe avec 36, bateau il peut rien faire. Hein. Bot keeper, je veux dire. Ouais, j'ai même pas gagné un level dans tout ça. Bon bah, plus je vais avancer, moins j'aurai de facilité de gagner un level, mais quand même. Hein? Le con, il s'est enlevé l'esquive tacle. Rip Letty. T'apprendras pas l'esquive tacle. Ah, moi, si, je crois. Il l'avait appris en plus. Bah non. Il l'a pas appris puisque ça marquait actif. Ça marquait comme quoi que je pouvais toujours l'apprendre. Donc non, il l'a pas appris. Allez, PH il tire direct. Bon, avec un œuf en tir, il pouvait pas faire grand chose de base, mais bon. Sérieux, mec? T'es vraiment sérieux là? Étant donné que c'est lui le plus rapide. Je suis obligé de la déborder dans tous les cas. T'étais rentré celle-là tout à l'heure. Bon bah, je marque un peu comme je veux maintenant. Dès que j'ai la balle, pouf! But! Bon, elle peut pas marquer, hein. Putain, il perturbe sa tire juste avant, quoi. Touche. Merci. J'en ai réfléchi que tu réveilles le goal. Allez, le tir. Bon, c'est pas vraiment lui le plus dangereux niveau tir, hein, on va dire. Hein. Mec, il a 9. Ses chances de marquer sont tellement peu élevées que voilà, il me fait pas vraiment peur. Ah, il a perdu en passe. Pourquoi il perd la moitié de la stat qui m'intéresse le plus juste au moment où ça fait pas effet? Hein? Pourquoi? Non, mais t'es sérieuse de joueur? T'as vraiment cru que tu pouvais garder la balle? Elle avait de l'espoir, hein. Beaucoup d'espoir, je crois, là. Ça serait bien que ça se déclenche quand même ici.
Mec, tu marqueras pas, cherche pas. C'est mort. C'est mort. T'as cru quoi, gamin? Même pas séché à activer Super Ball. Kipa, il t'a vraiment dit en mode. Bon, pas du coup, gamin. Cool, tir, PH, HP, arrêt, cool. En même temps, pour Kipa, le truc qui t'intéresse, c'est l'arrêt et les autres stats. Tu demandes à quoi elles lui servent. Ah, Tidus a une avance de 3 buts quand même. On voit le meilleur but des IA, il est à 8. Moi, 19, 16. J'ai minimum le double. Ah oui, il continue de jouer au baseball, voyons. Je sais même pas contre qui tu me bats, mais Joseph. Ah, t'as le stack, c'est une déprime quoi, qui je veux. Oh, Dato peut la prendre. Petit tac. À quoi peut bien servir Toxin Prime? À quoi? Bah. À récupérer des HP. À récupérer des HP. Ça peut être pratique pour Dato. Je me rebats contre les ronçons en plus là. Je crois que c'est les ronçons. Non, c'est pas eux. Bon, Dato a un petit retard de but, hein. Aïe, j'ai peur. Là, je n'avais pas beaucoup de chance d'arrêter Dato. Alors maintenant, avec le tir brillé. Ah, bon, si vous jouez avec Super Goal, ok. Wow, vous pourrez jamais arrêter mon Tidus par contre. Hein. Ça, c'est un truc que vous pourrez jamais arrêter, c'est Tidus. Mec, hein, super cool. Hein. Beaucoup trop d'attaques. Allez, vas-y, la moitié en tire. Comme ça, toi, tu me fais pas peur. J'aime bien avoir 4 chiffres en HP quand même dans le baseball. D'accord. Eh merde. Bon bah Tidy sert plus à rien. Passe. Encore 15? T'es abonné au 15, gamin! Il a la balle! On en profite! Hein. Il fait 15 au maximum. J'ai aucune crainte là.
Bah si Ndato continue à piquer la balle, hein. Petit Dieu, c'est toujours bien sous poison. C'est bien que tu me disais. Ah! Ça rentrera pas là, mec, hein. Son Tidus marque au moins un but quand même. Niveau de merde. Niveau de merde. Vous voyez la différence, ils sont déjà niveau 20 et eux ils sont niveau 13. Et plus on montera et plus la différence sera flagrante. Tube. Le pire c'est que je sais même pas c'est qui a les skiff tac si je veux que l'it la prenne. Ah j'ai augmenté mon arrêt de 1. Wow. C'est pas comme si son gros in m'avait fait peur, hein. LOL. La meuf elle m'a même pas intercepté. Dites-le tout de suite si vous avez abandonné l'espoir de gagner, hein. Faut être plus bouger vos joueurs et je marque en masse, hein. J'irai plus vite, hein.
La meuf elle m'a même pas... La meuf elle m'a pas capté. Alors qu'il était largement à mon niveau pour me capter, mais... Je rattrape les bits que j'ai pas pu mettre tout à l'heure, à cause du poison. Deux. Qui a dit que le baseball était compliqué et que c'était dur, hein? Qui croit toujours que le baseball c'est compliqué, hein? Et dites-vous que j'ai l'équipe la plus pourrie du jeu. À partir du ce qui est bon, les autres joueurs, c'est pas vraiment les meilleurs. Non mais t'es sérieux là, Tidus? T'es sérieux là? Allez, va en déborder, hein? Ah bah c'est l'autoroute du but pour Tidus là. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui me disent ouais je comprendrais en baseball c'est trop dur. C'est pour ça que je trouve ça affligeant. Le jeu là je l'avais sur PS2, j'avais peut-être dans les 10 ans et je comprenais déjà les règles. Alors quand tu vois des adultes qui sortent, je comprendrais en baseball mais je suis là mais... Sérieusement les gens. Sérieusement quoi. Il y a quoi de compliqué, je roule sur l'ordi, pourtant j'ai l'équipe la plus pourrie du jeu. J'ai même pas les meilleurs joueurs. Et vous me dites que c'est compliqué, non mais... Il y a des fois, je comprends pas l'être humain. Pourquoi j'arrive à taper seulement des gros chiffres quand je suis sûr déjà de base que le but il rentrera jamais? Hein? Pourquoi? Après, vous allez me dire, le baseball c'est compliqué et que c'est dur. Ok, si je joue en ligne contre vrai joueur, à mon avis, ça serait dur. Là, je dis pas. Eux qui ont optimisé à avoir la meilleure équipe, tout ça. Qui m'auraient forcé à savoir quel est le meilleur joueur. Là, il y a moyen que Dato remarque un but, là. Ouh, Dato, il a les chiffres maudits. 6-6-6 de HP. Il y a trop de gens qui t'aiment, mais tu te le vois pas. Ça rentrera jamais. Ça rentrera jamais, c'est moi qui vous le dis. À moins de réussir à faire des esquives tac. Ouais, bah, c'était mort. Ah, j'avais essayé, hein. Et qui t'entraîne à rien, comme on dit. Ah, c'était tellement pas possible que ça rentre. Tire, HP, ouais. J'aurais pu gagner d'attaque, connard, c'est tout ce qui m'intéresse chez toi. Toujours 3 points d'écart. Vous voulez continuer à jouer au baseball? Non. Bon bah sur ce, pour cette je ne sais pas combien tième leçon de baseball, je vous remercie de regarder, on se donne rendez-vous pour la prochaine et sur ce, salut.